Ces bruits de motos, mais aussi de voitures, les riverains de cette départementale des Yvelines n'en peuvent plus. Les motos, c'est insupportable, et les camions, c'est insupportable, les voitures, c'est non-stop, mais les camions, de plus en plus. Alors ce radar en forme d'araignée, installé le 15 juillet par l'association Bruit Parif, est censé mettre fin aux nuisances sonores, est une bonne nouvelle. Dans le secteur, ça va limiter le bruit des motos. Pour l'instant, le radar, en phase de test, ne fait que mesurer les bruits environnants grâce à 4 microphones et est même capable de déterminer leur provenance. Il n'est cependant pas équipé d'un détecteur de plaques et n'est donc pas en mesure de verbaliser. Il y a beaucoup de mesures pour que les habitants soient plus tranquilles, donc en même temps, c'est un peu compréhensif qu'ils fassent quelque chose comme ça. Je pense qu'il y en a qui vont trouver des tactiques et puis c'est comme les radars de vitesse. Hein. Je pense qu'ils vont... j'espère pas, parce que ça coûte cher et c'est sur nos impôts, mais je pense qu'il va être détruit. Le radar va rester pendant au moins un an et demi sur la commune. Une étude sera ensuite lancée. L'objectif, faire homologuer le dispositif pour pouvoir effectuer des contrôles automatiques.